Bonsoir les frères, bonsoir mes sœurs. Et je suis là encore pour une nouvelle vidéo. C'est votre frère des faux stars. Votre frère des faux stars est calé encore. Je suis là. Aujourd'hui, on parlera du mensonge, ok? On parlera du mensonge. Et je ris parce que je suis content. Je suis content de faire mes vidéos et voilà de vous les faire voir. Parce que j'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé faire des vidéos, prendre des photos. Ceux qui me connaissent sauront que je suis quelqu'un qui exagère en photo. Voilà, tu me prends une photo et je suis pas content. Tu vas me la reprendre. Tu vas me la reprendre. Je suis un peu embêtant. Ça, je le sais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler du mensonge. On est là pour parler du mensonge parce que voilà, le mensonge est quelque chose de très dangereux. Et on ment, nous tous on ment. En cas c'est dit les bêtes, nous tous on ment. Il n'y a pas un qui a dit qu'il ne ment pas dans la vie où on est aujourd'hui là. La vérité, on l'a dit, il n'y a pas un. Même les pasteurs, tous ceux même qui prennent les bibles, on ment. Ok? Donc on a qu'à se respecter et puis on dit la vérité par avance. My people, we're talking about lies, ok? I'm saying that today we're gonna talk about lies. Like everybody lies. Everybody, even the person that you think will never ever lie had to lie or even still lying in his life. I'm telling you that you could get a Bible, go and preach the good news and you lie. We all do. We're human. It's normal. Do you know what I mean? So yeah, today that's what we're gonna be talking about, okay? But before that, we're gonna just listen to my jingle. Okay, let's go with the jungle and we come back. And talking about the jungle, oh my days. When I talk about the jungle, I'm thinking about like back in the days when I started my music career with me and my brother. Okay, because I'm from Eastars. Okay, my brother and I, we sang. We could see some of our things on this YouTube account. I was looking for exposure, right? So I got in touch with a few YouTubers, you know, from my country, the Ivory Coast. And another guy, I think from Cameroon, a few people. I got in touch with a few people because me, I'm the type that just, when I want something, I go for it. And I like to ask people, you know, how they did to get to the level where they are. That's me. You know, if you want to call me like a loser, I don't care. But I believe I'm a great believer of close mouth don't get fed. If you don't ask, you're not getting it. If you want to get great, if you're gonna be great, you need to just hang out with the great people, you know. So you want to be great, you talk to the great people. that's me. You know what I mean? Well, guys, que j'ai dit que je voulais pas faire une longue vidéo, mais j'ai pas trop souvent. Je dis que je suis une personne qui believe, qui croit beaucoup au fait que si tu veux être une personne merveilleuse, il faut que tu marches avec des merveilleuses personnes. Et je suis une personne qui, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais pour cette chose-là, ok? Je pars pour chercher cette chose. Et je suis une personne j'ai pas honte à dire à quelqu'un que voilà, j'aime ce que tu fais. Comment tu as fait pour arriver là? J'aime ça parce que, si tu te demandes pas comment tu sois, comment faire pour arriver ou l'autre arriver. Donc je suis pas du genre à regarder regarde lui là, il fait quoi. Non, moi je veux partir pour voir celui-là. Il a fait comment, bro? Comment tu as fait? Faut me dire, j'ai fait aussi. C'est comme ça moi je suis. Donc voilà, on part avec le jungle, ok? So I was talking about this. It's a bit all over the place, ok? It's a bit all over the place because I was talking about the jungle. I got in touch with some people and they didn't want to use my brother and nice song for the jungle. For the music video, I don't blame them. It's okay, you know. At least I asked, so it's all right. They didn't make my wish happen, but today I'm doing it myself. do you get it? I'm doing it myself today. I'm using my own song, okay? Me, my brother's song. I'm using it for our jungle. Quand je parle de jungle, ça me fait tellement bizarre parce que je me rappelle des moments passés où je suis rentré en contact avec certaines personnes, certains youtubeurs.
Voilà, parce que j'avais voulu qu'ils utilisent la chanson de moi et mon frère pour les jungles de leur YouTube. Ben voilà, les réponses n'ont pas été favorables. Et aujourd'hui, c'est moi qui utilise notre chanson pour mon jungle. It's crazy. C'est fou comme si... aujourd'hui, c'est moi j'utilise. Donc, voilà, aujourd'hui, j'utilise moi, mon propre jungle, de moi et mon frère, pour faire, ben, j'utilise ma propre chanson de moi et mon frère, pour me jungle. I mean, tu vois que it's beautiful. It's beautiful. So, let's go and we come back and we talk about lies. Ok? Qu'on parle et on revient, on parlera du mensonge. Les gars, à tout à l'heure. So, let's go with the jungle. And we come back. See you in a bit. I'm big with choco, very choco. Say coco, that's coco. You need my goza. Check the choco. Say coco, you need coco. That's my goza. African dance. So yeah, welcome back, it's your boy Dave Foster. Ok, today on parlera du mensonge. On parlera du mensonge, voilà, parce que mentir, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux, voilà, ça me fait penser à Joseph dans la Bible. Parce que moi, je suis un chrétien, comme j'ai l'habitude de l'aider. C'est clair que, voilà, je suis né d'une famille chrétienne. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en grandissant qui m'échappent aujourd'hui. Ben, j'ai quand même une base, voilà, une base chrétienne, ok. Donc, je manquerai pas de dire des choses théocratiques, des choses un peu bibliques parfois, parce que voilà, c'est de ma nature. Ben, ces choses ne seront pas peut-être accurées, elles seront pas peut-être comme peut-être certaines personnes aimeraient que je les délivre, parce que voilà, c'était des trucs que j'apprenais quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'apprends, mais pas comme voilà, comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Donc, si j'arrive à dire des choses qui, je vais pas dire de contre-vérité, mais si j'arrive à dire des choses qui sont un peu peut-être floues, ou pensez que voilà, j'ai peut-être manqué sur des propos, ça me dérangerait pas que vous me dites, ok, que voilà, j'ai pas été correct sur ce truc, voilà, et tout ça, ça me dérangerait pas du tout. Donc voilà. I'm saying my people that I grew up in a Christian family. I grew up as a Christian, okay? I'm from a Christian family and I've been saying that a lot here. And so I don't refer myself to some to say things, you know, like Bible things sometimes, like, you know I mean, because it's something that's in me. I just grew up as a Christian, my family is Christian, and just like, so I will say things at times and that might not be what you probably just, you know, believe. And that's my belief in things that I've learned when I was growing up. So they might not be, I mean, I won't say they won't be accurate. They will be accurate, but I might miss maybe some little things that's probably not something that I will remember to talk about. So if you think that I'm saying things that's not right, I wouldn't be offended if you telling me that I was wrong somewhere or whatever, because yeah, we live and learn, and I've learned things when I was growing up that I may not remember exactly all of them today. So you know what I mean, you know, let me know, I won't get offended. That's what I was saying. So today I wanted to talk about lies, right? Je veux qu'on parle du mensonge. Le mensonge est quelque chose de dangereux, parce que voilà, ça me fait penser à Joseph dans la Bible. Joseph qui était un esclave, qui malheureusement avait eu un incident avec Potiphar. Okay, Potiphar was one of the guards. He was the captain of one of the guards of the Pharaoh at that time. It was believed to have purchased Joseph. Okay, voilà, Potiphar était l'un des captains, des gardes du pharaon à l'époque, qui avait acheté voilà Joseph, qui était son esclave. Et voilà, il est connu aussi en tant qu'Aziz, je crois, dans le Coran. Potiphar, il avait une femme qui était amoureuse de Joseph, et il s'est avéré qu'elle a fait des avances à Joseph, et
Joseph, venant d'une famille chrétienne, il n'a pas voulu céder à elle ses avances et tout ça, parce que voilà, elle était quand même connue pour un comportement qui n'était pas trop voilà, chrétien. Donc il a refusé ses avances et en fuyant, son vêtement est resté dans la main de cette dernière. Et cette dernière a utilisé ça against him. Cette dernière a utilisé ça against him. Et elle, voilà, elle a accusé de rape. Elle a accusé de rape, c'est quoi en français? Elle a accusé de viol. C'est ça, non? Viol, voilà. Elle a accusé de viol. Voilà, donc, voilà, c'était un mauvais buzz. C'était un mauvais buzz. Ça a même eu à emprisonner Joseph et tout ça. Donc, c'était quelque chose de très grave. I'm talking about Potiphar, okay? Potiphar in the Bible was a god. He was one of the gods of the Pharaoh at the time, and you know, Potiphar had Joseph as a slave, okay? So Joseph was a slave, and Potiphar's wife used to like Joseph, but Joseph, as a Christian, wasn't a believer of, you know what I mean, like sleeping around, so. He didn't like the lady making some moves on him. So one day she tried it on him and he ran away. And when he ran away, he unfortunately had his clothes left behind him. And the lady used that against him to accuse him of rape, right? And obviously that was a big lie because he didn't commit that crime or that incident, whatever you call it. So yeah, so that was a big lie because he did not, you know, do what she was accusing him of doing. So a lie of the sort has put Joseph in prison. Okay, he's been in prison for that. And you see how a small lie could change somebody's life. You know, un petit mensonge peut changer la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui se font tuer aujourd'hui parce qu'il y a eu des mensonges. On voit des vidéos ici, on voit des documentaires où voilà, des jeunes se font tuer, accusés, ils mettent en prison, on les met sur la table électrique et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous tous, nous savons. Nous savons ce qui se passe dans le monde avec les mensonges. C'est après qu'on voit certaines choses n'ont pas été vraies ou faux et tout ça. Donc voilà, le mensonge est dangereux. Et bibliquement, c'est quelque chose qui est très dangereux à faire. Et ben, on vit de nos jours, donc ça se fait. Ok, les gens mentent et tout ça. Et pourquoi je parle de mensonges aujourd'hui? Je parle de mensonges aujourd'hui parce que voilà, je suis quelqu'un qui fait la vidéo. Je ne veux pas me dire youtubeur parce que voilà, je suis à peine en train de commencer. Donc, je vois les choses sur les réseaux sociaux. J'ai une sœur en Côte d'Ivoire qui a des problèmes. Elle a des problèmes actuellement avec une autre sœur qui n'est pas contente. Ok, il y a eu des désagréments et les deux ne s'entendent pas actuellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font voir sur la toile. Ouais, on ne sait pas qui dit la vérité, on ne sait pas qui ment. Ben, ma vidéo ici ce soir, c'est pour essayer d'appeler à la personne qui peut-être ment. Okay? La personne qui peut-être ment, il faut que la personne se ressaisisse parce que voilà, ce ne sera pas gentil. Ça sera pas gentil de dire des contre-vérités sur la personnalité de quelqu'un parce que... nous voyons dans le monde ici, il y a beaucoup de choses qui se font dire quand les personnes sont vivantes. Et malheureusement, c'est quand ces personnes-là décèdent que voilà, les accuseurs regrettent et viennent qui reviennent et qui disent que voilà, ils ont fauté et tout ça. On a l'exemple de Michael Jackson qui avait été accusé de pédophilie, qui n'était pas le cas. Il s'est battu pour ces trucs, il a payé des millions pour essayer de faire taire des trucs. Ce qui s'est retourné contre lui, les gens ont utilisé ça pour dire que voilà, c'est parce qu'il a fait qu'il voulait payer des millions. Mais bon, bref, on n'est pas ici pour parler de ça. Il est mort et c'est après que le jeune homme vient pour démentir qu'il avait été forcé par ses parents et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a des mensonges que les gens supportent et ils essaient de faire des choses pour essayer d'atténuer parce que voilà, ils ont des réputations. Donc, c'est pas gentil s'il y a une personne qui dit pas la vérité. Ok? Et moi, j'appelle à cette personne à se ressaisir. Si la personne pense que vraiment elle est à fond dans ce qu'elle est en train de dire qui n'est pas vrai, faut qu'elle se ressaisisse parce que c'est des trucs qui malheureusement restent à vie. Et puis bon, c'est pas trop beau à voir. Des mensonges sont pas, c'est pas beau à voir.
Tu peux pas te permettre de dire des choses sur une personne, des choses qui sont pas vraies. Ça sera pas trop honorable de ta part de le faire. Donc peu importe, je suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis là pour qu'on essaie de se ressaisir si on est allé un peu trop loin dans ce qu'on est en train de dire, you know, par rapport à ce qui se passe. C'était juste ce que moi j'avais voulu dire sur ce sujet. Les personnes se reconnaîtront. Et vous qui êtes aussi au courant de ce qui se passe, vous saurez de quoi je suis en train de parler, sans pour autant faire des commentaires qui vont à l'endroit de ces personnes. So yeah, my people, I'm just saying that, yeah, we know how people could lie. You know, we have the experience of Michael Jackson that obviously was accused of pedophilia. And we know, you know, it's not whatever happened, because after he died, you know, the kid came to tell the truth to the world, but that was a bit late because Michael Jackson was already gone. So we need to be careful what we do, you know. Allegations that we're making could change, could impact people's life. And if it's not something that's truthful, if we are not telling the truth, it's not a good thing to do, to lie, you know, against somebody, to lie on somebody about something that they haven't done. So it was just something that I wanted to talk about because there's a few people that's, well, there's two people. I'm not gonna say names, but they're gonna know themselves watching that video. You know, people knowing that story that I'm talking about, they will know as well who I'm talking about, because there's a lot of things going on at the moment, and I'm not trying to side with anybody, but I'm just trying to call people to just try to be careful about what they're saying. Because at the end of the day, sometimes we're probably not, you know, trying to go as far as we going, but you know, it's just too late. We just in the deep end, and we can't just maybe back out. But I think it could be a time where we could think about basically stop it. You know, we could stop things before they get like to a level where we can't control it anymore. So I was kind of calling for whoever is making a lie, you know, to probably stop it, because you know, it's gonna be dangerous for whoever is not guilty. Because if you haven't done something and somebody's accusing, it's very depressing. So I'm just doing that video to basically call them once to calm themselves down, to just, you know, act like grown-up people and come to a resolution about whatever is going on between them, and try to make peace and move on and, you know, be good people. That's all I'm here for. So, okay, moi je vais vous laisser. I'm gonna let you guys go. Et voilà, je vois des faux stars, mes frères, mes soeurs qui me regardaient. Voilà, essayer de faire des choses qui sont bonnes. Voilà, moi je dis à ces deux soeurs d'essayer de mettre les différents de côté, d'essayer de s'entendre, et puis voilà, faut que. Elles font la paix, et puis bon, faut qu'on avance dans la paix, parce que voilà, c'est important de faire les bonnes choses. C'était votre frère Devo Star. C'était ma petite vidéo pour vous qui me regardez, pour qu'on s'encourage à faire de bonnes choses. Et voilà, je vais pas trop prendre votre temps. On parle encore prochainement. Ok? Portez-vous bien, and I see you again. Devo Star. Et aussi, j'oubliais, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour le support, et merci beaucoup pour vous tous qui vous êtes abonnés à ma page. On est en train de grandir et je suis reconnaissant pour tout ça. Ok, I thank you guys a lot for the, you know, subscription that you guys been giving me. We are growing and I'm so proud of you guys, and I'm just here to say thank you to you. If you haven't subscribed to my page, don't forget to subscribe. Support your boy, ok? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma page, je supporte ton frère. Donc c'était moi, Devo Star. Portez-vous bien et merci. Mouah!